Salut YouTube, le temps de chargement était rapide. Joueur Ratchet & Clank sur PS5, on continue. Exceptionnel. Yongshu, hello Yongshu, comment ça va? Tu parles encore français? Est-ce que t'arrives encore à comprendre ce que je dis, Yongshu? C'est trop plaisir de te voir, ça fait ultra longtemps. Ça fait tellement de temps. Ça fait longtemps, ouais, le français c'est plus ça, Yongshu. Si à un moment tu perds ton français, t'hésites pas, on passe en anglais. Tu me diras. D'ici un an ou deux, je pense, c'est fini. C'est fini. Hein. J'espère que tu vas bien, Yongshu. La folie. Do not hesitate. Do not hesitate. Ah, oh, je veux aller là-haut, moi. T'as démarré l'enregistrement? Ouais, c'est bon, YouTube. T'es avec nous. Comment on fait pour aller là-haut? Je sais pas. Est-ce que la vie en Chine est cool? Attendez, mais c'est quelle heure, là, en Chine? Il doit être super tard. Oh non, il doit être... On est en fin d'après-midi. Le jeu est beau, c'est la dingue. Le jeu est un peu beau, on va pas se mentir. 16h52? Ah, mais ça va, il est pas si tard, c'est l'heure du 4h. Manger des fruits et légumes 4 fois par jour. One French, two English, 3 swag, 4 cool attitude. Mec, pour moi, t'es Kid Paddle. Pour moi, tu parles le même langage que Kid Paddle. Moi, il y a une espèce de faille là. Pas vraiment. Bon, j'espère que vous allez tous bien, en tout cas. Ça fait plaisir. Après cette petite disque. J'espère que vous êtes ravis de voir ce jeu que probablement la moitié du Twitch game français a fait cette dernière semaine. Mais voilà. Nous, on aime les suicides commerciaux. Donc, on y joue cette semaine là. Je veux les caisses là, en fait. Voilà. Ah mais non, mais c'est pas là du tout. Mais comment je fais pour aller là-haut? J'ai envie de péter un câble. J'ai envie de péter un boulon. C'est marrant parce qu'en fait, on ramasse des boulons dans le jeu. Donc en fait, finalement, c'est un jeu de mots assez subtil entre boulon, le mot boulon, et le jeu Ratchet & Clank, où on récupère des boulons. Je sais pas si vous l'avez chez vous. Parce que c'est assez complexe. Parce qu'en fait, moi, j'ai 300 de QI, donc j'arrive à comprendre ce genre de blague. Mais vous avez peut-être un problème avec ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans le chat, en commentaire. Et vous me dites ce que vous en pensez, et en point de ponctuation de phrase, vous me donnez votre légume préféré. Êtes-vous arrivés ensemble dans cette dimension? Oui. Le pire type. J'en ai plein de rivettes, c'est bien. Il y a zéro jeu de mots. Zéro. Zéro effort, Maxime. Honnêtement, zéro. Courgette. La courgette, ton légume préféré. J'aurais pas cru. Mon légume préféré, moi, je pense que... Je pense que c'est la carotte. Je dirais que c'est la carotte. Il faut que je réfléchisse. Est-ce qu'il y a un meilleur légume que la carotte au monde, dans la tier list des légumes? On aurait dû faire une tier list des légumes. Faut qu'on fasse ça. Hein. Ça va, il y a trois fois le temps. Le légume préféré, c'est le sel. Je vais vous décevoir, mais je crois pas que ce soit un légume. Je me suis toujours demandé quel secret renfermait ces lorbes. Je veux pas vous décevoir, mais pas vraiment un légume. J'essaie de réfléchir. Qu'est-ce que j'aime plus que la carotte? Je crois que même mes parents, je les aime moins que la carotte. Donc c'est dur, hein. Conseil. Oh, attendez, il y a tous les Johnny là.
Il est où l'électrocuteur, le paratonnerre est là. Non, trop bien Ratchet & Clank. C'est quelqu'un de sage. Comme qui d'autre a été sage dans la vie? Jordi, l'interprète de Dur d'être un bébé. Il a été très sage aussi dans sa vie. Bon, il a une grosse période de dépression, mais ça c'est ça. Qui n'a jamais eu une grosse période de dépression? T'as ricoché là. J'essaie de EP toutes les armes en parallèle. Je sais pas si c'est le plus rentable, mais c'est toujours ce que j'ai fait de Ratchet & Clank. Ça a plutôt réussi. Il est où? Ah pardon, je l'avais pas vu. Je me fais un peu bolos, pas se mentir. Champitron là est quasi niveau 4. Voilà, il est niveau 4, on en parle plus. Ça, il fait mal maintenant. Voyons ce que ces robots ont trouvé. Parfait. Hôtels sur 7, mais il y en a 12 à trouver. Pourquoi? Parce qu'il y a un objectif intermédiaire. Bon, j'ai. Je connais. J'ai des connaissances en jeux vidéo. Je sais pas s'il y a encore du monde là, mais je l'ai dit hier, à 300 followers. En follower goal, on fera Dark Souls, mais Dark Souls avec le chat. En crowd control. Autant vous dire. Que le prepare to die va être dur. Mais d'accord. Si, mais on peut aller là-haut. Ah mais d'accord, mais y a ça. Je vois bien. Aritanium. Lui on peut pas l'avoir, on va aller voir l'autre là-bas. J'ai déjà les mains qui suent. Il y a la manette Cosmic Red de PS5 qui est sortie aujourd'hui. N'hésitez pas à sub pour que j'ai plus mes mains qui suent. Sur une manette blanche. C'est que ça. Attendez, mais il se balade. Mais c'est un enfer. Ratchet, nous devons secourir les autres. C'est ce qu'on va faire. Puis-je te suggérer d'étudier le meilleur angle d'attaque? Vas-y, il m'a saoulé. Vous savez quoi, il m'a saoulé. Je reviendrai le chercher plus tard. On le courra après, plus tard. Déjà, aller choper ça. Hein. Qu'est-ce que c'est? Quoi ça? Des ennemis, ça? Ça a l'air. Au secours. Mais ils perdent de l'armure petit à petit. C'est trop bien fait ça.
Exceptionnel. Ok. Les rollas. En fait, ils tournent juste autour du truc. Mais comment tu veux l'avoir? Ah! D'accord. Ça s'ouvre un moment, mais faut rester appuyé. Oh, quelle vie. Yves, quelle vie. Quelqu'un d'exceptionnel. On a la moitié. Non, en vrai, ça va aller vite. Vas-y, on va faire ça, on est à côté. Il va falloir tous les lapider, ça va être long. Long et dur. Attends, je vais aller là-haut. Pour la Raritanium. Comment je vais faire ça? Ok, ça vous chuit, c'est énorme. Grosse ambiance. Je me fais éclater. C'est un plaisir. Bon, en vrai, cette arme, elle marche, mais bon. Oh, le collisionneur de Négatron. Au secours. C'est un enfer, cette arme. Ok, niveau 4. On a beaucoup d'armes niveau 4, ça me plaise. Je pense que mes parents sont très fiers de moi alors qu'il est. Ça one-shot pas les gars, quoi. Ça dégoûte un peu. Oh, les robots snipe. Qu'est-ce qu'on a qui est pas très évolué? Le ricochet. Ok. Quand même pratique le ricochet, hein. Entre toutes ces animes. C'est tout? C'est facile ce jeu. Et à botter les fesses des soldats de Nefarious. Ratchet, ce terminal, il faut que j'y accède. Trop facile. Ta ta la. Ouais. Ouais. Il va vraiment falloir que j'aille chez l'ophtalmo. Hein. J'y vais semaine prochaine. Il y aura une nouveauté sur ce live dans 2 à 3 semaines. Il y aura de nouvelles lunettes. Truc de fou. Et là, vous vous dites, waouh. Je serai encore plus BG qu'avant, quoi. Et vous vous dites, est-ce que c'est possible? On verra ça. Hein. Vous nous avez sauvés. Un grand merci à tous les deux. Il ne reste plus qu'un temple. Sauver les petits moines. Plus qu'un temple. C'est le dernier. On va les trouver. Je te le promets. Bon, c'était pas le plus dur du coup là. Comment on fait pour se casser d'ici? Voilà. Ok. Directement aller. Quoi? Ah mais d'accord. Pas essayer de me trouver un surnom ou d'être mon Nami, pourquoi? Ah, je te trouve trop sévère envers toi-même. Tu n'en sais rien. Tu me connais à peine. Je sais que Gary te fait confiance et que les moines t'apprécient. Tu devrais peut-être donner une chance à l'amitié. Je vais y réfléchir. Donner une chance à l'amitié. Ça peut être une bonne chanson. Ratchet, laissez
pas de devenir mon ami. Il ne faut pas. Mais pourquoi? Parce que je n'apporte rien de bon aux autres. Comment ça? Tu m'aides beaucoup? Les apparences sont trompeuses. Les apparences sont trompeuses. Comme dans ce film du milieu des années 2000, intitulé Les apparences sont trompeuses. Je sais ce que je raconte, pas du tout. Et alors? Faut que j'aille en haut du caillou. Ça vous dit, vous me laissez aller en haut du caillou? Faut y aller par là-bas. Le temple doit être là-bas. Je suppose, le dernier. Elle est cool cette mini-zone ouverte, j'aime bien. J'ai envie de manger dessus. Alors, l'itanium doit être là-haut. Voilà. J'ai bac plus 8 en rechercher des objets. On fera peut-être des sessions de live Demon's Souls ce week-end, mais ce sera le soir, voire la nuit. Il n'y aura pas de live demain. Attends. Mais il y aura un live. La base, quoi. Au secours. Il y a même qui sort sur PS5, j'ai vu, ouais. J'ai totalement vu, c'est cool du coup. Pour ceux qui n'ont pas fait. Pas une exclu Xbox finalement. Bon, déjà fait moi par contre The Medium. Donc bon. La moustache ? Vraiment ? Toute connaissance doit être conservée. Mais c'est cool. Je reprendrai peut-être sur console à pas cher. Mais là, ça va, j'ai pas un besoin de le refaire. C'est moi ou il y a les gros qui ressortent? Ah mais c'est leur maman hein. Mais si jamais tu veux le faire Maxime, n'hésite pas. Hein. C'est un jeu d'horreur qui fait pas très peur. Mais il y a une bonne ambiance. Je pense que pour les jeux PDA, il pourrait se passer la même chose. Pour que ça sorte sur... sur PS5? Non, jamais. Exclu Tempo sur Xbox. PS5 6 mois plus tard. Non, c'est pas possible pour Bethesda parce que ça a littéralement été racheté par Microsoft. La boîte appartient à Microsoft, donc c'est littéralement impossible par contre. Il y a juste Deathloop et l'autre jeu là, par le gars de The Evil Within, Ghostwire Tokyo, qui ont été négociés avec Sony pour des exclus temporaires avant le rachat par Microsoft. Du coup, Ghostwire Tokyo sera des exclus PS5 pendant un moment, parce que ça a été négocié avant, mais après tout le reste, ça sortira que sur Xbox et PC. Et la Bluebird Team, c'était juste un accord. Ouais. Ils ont pas racheté la Bluebird Team, Microsoft, je crois. Juste un accord pour le jeu. Mais oui, de toute façon, ça devait juste être un accord pour le jeu, c'est sûr, parce que sinon, il serait jamais sorti sur PS5. Pour le coup. Il devait avoir un accord d'exclus temporaire ou un truc comme ça. Parce que là, ça fait quoi? Ça fait 6 mois, non? Quasi. Il est sorti quand? En fin d'année dernière? Non, en début d'année, il est sorti en janvier. Ouais, donc ça doit faire 6 mois, il devait un accord d'exclus 6 mois, un truc comme ça. Probablement. Bien joué, frère Lombax. Je prépare le plastron immédiatement. Toi, tu n'as qu'à m'apporter tous les lorbes que tu as trouvés. Je vais aller voir Johnny. Mais The Medium, c'est très cool. Après, c'est dommage que The Medium, ça se finisse au moment où l'histoire commence à décoller. Mais ils font peut-être une suite. Les savoir. Yo! Donne! Mon frère Lombax a encore frappé. Et voilà un équipement de. Fais chier pour les jeux Bethesda quand même. Bon, ça va, t'as un PC, tu pourras les faire quand même. Mais ouais, tu pourras pas les faire sur PS5 quoi. Starfield, si tu veux le faire, sera sur PC. Ou alors achète une Xbox Series X. Enfin, c'est normal, hein, c'est le jeu des exclus. En vrai, c'est cool pour eux. Hein. Et surtout, c'est Day One sur Game Pass. En vrai, le Game Pass, ça devient abusé. Hein. C'est la meilleure offre du monde. Hein.
Franchement, t'as pas de console. Et tu t'en branles un peu des exclus Sony. T'as pas de console, ni de PC, t'as rien pour jouer. Moi, je dis, prends une Xbox et le Game Pass, quoi. Y'a rien qui bat ça, quoi, maintenant. C'est abusé, tu peux jouer à tout pour 15 balles par mois. Typiquement des jeux à faire sur console, je trouve. Bon, je sais pas, je trouve pas. C'est marrant, cette armure. Je sais pas, je suis un peu... je suis pas persuadé qu'il y ait des jeux typiquement à faire sur console ou sur PC. Enfin, les RTS sur PC, c'est plus pratique. Mais en vrai, genre Starfield et tout, c'est des jeux fondamentalement PC à la base. Bethesda, ils faisaient des jeux fondamentalement PC à la base. En vrai, Deathloop et tout, c'est des jeux qui doivent très bien jouer sur PC. Et en plus, c'est des jeux à faire sur console. Tu peux les faire sur console, hein. Achète une Xbox. Je pense que t'attendras. T'attendras quoi? Du coup. Je sais pas ce que je fais, mais je le fais. Hein. Allez les archives, laissez-nous monter. Promis, une fois que tout le monde sera en sécurité, nous entrerons dans les archives en un rien de temps. Wow. Je me permets, hein. J'attendais pas celle-là. Il baisse de prix qu'ils sortent potentiellement sur PS5. Max, la PS5, c'est zéro, hein. C'est mort. Il y a maintenant une probabilité absolue de moins 10%. Que ça sorte sur PS5. Vraiment. Il n'y a aucun monde où ça sort sur une console Sony. Aucun. Plus aucun. Ce qui est normal, hein. Il faut qu'ils aient des exclus. Ça sort sur PC, c'est déjà pas mal. Parce que maintenant, voilà, ils font un truc crossplay PC à Microsoft. Mais... Sinon, il faut qu'ils vendent des consoles. Et surtout, c'est un énorme argument pour le Game Pass. Donc, il y a zéro chance que ça sorte sur console Sony. Absolument zéro. Mais après, c'est beau de rêver. Hein. Moi, je suis pas contre le rêve. Hein. Pourquoi la PS5, c'est pas une légende? C'est pas une légende. Mec, il paraît qu'on en trouve. Bon, là, par exemple, je vous fais croire que je joue sur PS5. La vérité, c'est que à chaque fois que je joue à Ratchet & Clank, je vous passe un let's play de quelqu'un d'autre. Du coup, c'est un peu chiant parce que je suis obligé d'attendre quelques jours à chaque fois pour rejouer à Ratchet, enfin pour faire croire que je rejoue à Ratchet le temps qu'il poste ses vidéos sur YouTube. Mais sinon, sinon c'est ok quoi. Se tenir tranquille. Ça va bien, Nexof ? Je suis d'accord avec toi, mais malheureusement, il y a eu pas mal de restock en ce moment. Ouais, là, cette semaine, il y a eu pas mal de restock. Tu reçois toujours les notifs ? Enlève les notifs peut-être, non ? Enlève les notifs D-Labs. Mais ouais, il y a pas mal de restock, mais c'est du restock. Il y en a très peu à chaque fois. Mais tous les magasins, quasiment, cette semaine, ont eu du restock. Là, j'ai vu Super U, Carrefour et tout. C'est compliqué d'avoir une PS5. C'est compliqué d'avoir une Xbox Series X aussi. Les deux sont compliqués, mais la PS5 est encore plus dure à avoir. Parce qu'elle est plus demandée. Oh, le bateau! Putain, mais elle est trop bien, cette zone. Il y a plein de trucs secrets. C'est la folie. Tant l'année prochaine, perso, pour tenter de récupérer une PS5, mais t'en veux une? Enfin, je suppose que t'en veux une. Mais du coup, imaginons. S'il y avait du stock là tout de suite, est-ce que tu la prendrais tout de suite ou t'attendrais l'année prochaine quand même, Nexof? Parce que en vrai, il n'y a pas beaucoup de stock, mais si jamais tu veux en prendre une. Faut être un peu au taquet, mais il y a plein de trucs qui te permettent d'être assez au taquet pour en récupérer une assez facilement. Là, tout de suite, tu la prendrais pas? Ok, bon, bah c'est bon, tu peux attendre, là. Moi, j'en suis très content de ma PS5. Hein. Depuis que je l'ai, je joue beaucoup à ça. Même les jeux que je pourrais prendre sur PC, je les joue sur PS5 parce que c'est plus simple. Et aussi parce que je peux pas changer ma carte graphique parce que les cartes graphiques n'existent plus, apparemment. Oh, c'est le petit robot.
Monsieur Zurcon. Oh, c'est le piège des robots. Paratonnerre. C'est pas la bonne arme. Je te fais pranked. Des pirates. Ils rôdent dans le secteur. Merci de me prévenir. Mais ouais, j'en suis ultra content. Parce que du coup, tous les jeux, tu peux jouer simplement. Sans te prendre la tête de est-ce que mon PC le fait tourner parce que j'ai une carte graphique trop vieille et que je peux pas en racheter. Du coup, c'est pas mal. Et le peu d'exclus qu'il y a, c'est cool. Pour le stream, la PS5 est bien. Alors moi, je passe par une carte de capture et tout. J'ai vraiment le matos de streamer. Et du coup, je capture la PS5 sur mon PC et tout et tout. Après, le stream directement à partir de la PS5, je sais pas, j'ai pas testé. Mais je crois que c'est pas mal. Hein. Il y en a qui font ça. Je pense que c'est pas mal. Mais en tout cas, moi j'ai pas de soucis avec. Sans déconner, j'ai envie de crever. Il y en a pas mal de temps en temps. Je sais pas si tu vas. Si tu vas dans la catégorie Ratchet & Clank, là en ce moment, je pense que tu trouveras des gens. Ma question va peut-être... Attention, je veux pas que tu te casses. Hein. Reste ici, on est bien. Mais. Je pense que si tu vas dans la catégorie Ratchet & Clank, si jamais t'es intéressé par le stream direct à partir de la PS5, il doit y avoir pas mal de gens qui font ça. Il doit y en avoir. Je suis parti. Ok, super, énorme. Moi qui pensais qu'on avait une relation unique, Nexof. J'allais t'inviter à manger chez mes parents dimanche. Et ça y est, tu te pars. Pourquoi tu pars? La 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 la. La 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 la. Mes voisins me détestent. Devinez pourquoi. Ok, t'as les arguments. J'ai la voix, hein. Et surtout un beau brin de voix, quoi. Bel organe, merci. On dit ça tous les samedis soirs aussi. On parle pas de ma voix. On parle de mes reins, bien entendu, que je vends au marché noir. Ah, mais c'est là. Il est vraiment trop beau, je... On le dit jamais assez, hein, mais... Putain, c'est beau, hein. Oh, les moucherons. Elle est marrante, cette arme. J'aime bien, on peut spammer. Elle fait pas beaucoup de dégâts, mais on peut spammer. +8/12. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. J'en ai combien? J'ai un robot sur 6, j'ai un boulon sur 3 et j'ai deux pièces d'armure sur 6. Quand même, il y a pas mal de trucs à explorer dans cette zone de mort. Mais vous savez quoi? On est là pour explorer. YouTube, c'est la vidéo. C'est la vidéo où tu t'emmerdes, YouTube. J'ai vivement qu'on explose le world record de Demon's Souls en speedrun et qu'une autre chaîne YouTube explose à cause de ça. C'est faux, ça n'arrivera pas. Il est où le temple? Il est là, par là. Il est peut-être en haut. Eh, il est là-haut. Comment on fait pour aller là-haut? Et pourquoi il y a un vaisseau là? Tant de questions, si peu de réponses. Mais il y a tous les Johnny là. Let's go! Attendez. Vaporise ça là. Elle rend trop forte cette arme. Qu'est-ce qu'on peut faire? En vrai, la bombe à dispersion, je l'ai pas assez améliorée. Hein. Oh, ils se fight entre eux. C'est énorme, ça. Qu'est-ce qu'on n'a pas amélioré encore assez? Quoi? Champignon, là. Petite bombe.
Qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi il y en a 5000 là? Bon. Pas une arme pour faire des trucs ça. Et bisous Enayar. Merci d'être passé. Et bonne sieste. On se revoit très vite. Probablement sur Twitch. Dans un endroit obscur, sur un chat, où on parlera de choses toujours plus intéressantes les unes que les autres. J'ai pas trouvé comment finir cette phrase. On va augmenter cette arme au max. Marre de la vie. Comment ça se fait qu'il y a autant de gens qui veulent me courir après là? Ça, hier après-midi, enfin hier, j'ai mangé hier après le live. Et j'ai fait une power sieste de 30 minutes. J'étais trop en forme après derrière. Du coup, je commence à me dire que la sieste, c'est peut-être la solution à tous les problèmes du monde. Mais j'ai un doute. C'était tellement le dawa là ici. Je sais pas pourquoi c'était autant de dawa dans cette zone. Tout ça pour du raritanium. C'est vraiment tout ce qu'il y a quoi. Il y a 6 de raritanium. C'est le champitron qui parlait, ok. Mais y'a rien à foutre dans cette zone. Pourquoi est-ce que... Pourquoi? Grimper par là. Ok. Une merde, j'ai sauté. Je mérite pas de vivre, je suis désolé. Au secours! Poché. Il est que level 2 le ricochet, c'est abusé ça. J'ai pas mal de boulons, non? J'en ai 15 000. C'est exceptionnel. Juste un joueur exceptionnel. Oh, ça dégoûte. Qu'est-ce qui dégoûte dans la vie, ça, par exemple? On peut y aller par là. De mort. Ah mais j'aurais pu faire ça, ok. Le jeu est un peu beau. Hein. Si beau. J'ai pas exploré là. J'ai trouvé qu'un boulon surtout. Figure un peu ça. D'ailleurs, il fait quoi ce boulon? J'ai pas écouté non plus. Mode de pack de rendu noir. Septia. Mars. Oh. Soirée télé. Quoi soirée télé? Oh, c'est horrible! J'ai perdu moins 10 de vue. À chaque œil. Et de deux dimensions. Celle-ci n'était pas aussi colorée. Les créatures y étaient nettement plus étranges. Leur corps était constitué de vieilles reliques dont ils peuvent se défaire sans mourir. C'était complètement fou. Maintenant, je regrette de ne pas avoir demandé plus de temps à Kaden. J'aimerais trop en savoir plus sur toutes ces dimensions. D'accord. Et Donald Renew qui essaie d'avoir des infos sur les dimensions. Des cubes très très intelligents. Je sais pas trop quoi dire d'autre. Devoir arrêter de décrire chaque dimension car il m'en reste un peu moins d'une infinité à visiter et j'aurais pu en cartographier 32 depuis que je papote. Alors salut! Yes. Bonne nouvelle, la cartographie avance bien. Mauvaise nouvelle, visiblement pas assez bien. Car
Kaden vient de me demander d'accélérer. Il a pas dit pourquoi, et comme il avait l'air stressé, j'ai pas insisté. Accélérer comme si c'était facile. Heureusement que j'ai arrêté les enregistrements. Oh, mais je suis en train d'en faire un, là. Oh, j'ai perdu ma connexion au chat. C'est Twitch qui bug ou c'est moi, vraiment? Je sais que j'ai dit que ça arrive souvent ce matin. Mais j'arrive à me libérer des créneaux de temps en temps. Je suis un génie, après tout. Dimension 31X7. Pas si différente de la nôtre, à l'exception de ses êtres. Le premier tirait au pistolet et tournait sur lui-même toutes les deux secondes. Tandis que le deuxième, juché sur son épaule, assurait les commentaires en direct. J'aurais trop aimé passer du temps avec eux. Attends, il parle de Jack and Daxter, là? Je sais que j'ai dit que j'arrêtais les enregistrements. Mais j'arrive désolé, je réécoute. De temps en temps, je suis un génie, après tout. Dimension 31X7. Pas si différente de la nôtre, à l'exception de ses êtres. Le premier tirait au pistolet et tournait sur lui-même toutes les deux secondes, tandis que le deuxième, juché sur son épaule, assurait les commentaires. Il parle de Jack and Daxter. J'aurais trop aimé passer du temps avec eux. J'ai enfin trouvé le moyen de cartographier plus vite. Kaden risque de me tuer, mais voilà, au lieu de toutes les manipulations nécessaires pour utiliser les dimensionnateurs, j'ai transformé tout ce bazar en casque à commande vocale. Vu les résultats, il n'a pas intérêt à râler. Et s'il râle, je viendrai me plaindre ici. Énorme! Neuf. Dimension 242Y8, sûrement la dimension la plus mignonne que j'ai jamais vue. Ses habitants étaient constitués de laine, je crois, et pouvaient fabriquer littéralement n'importe quoi. Et puis il y avait aussi une voix agréable qui me suivait partout. C'était incroyable. Little Big Planet. Et meilleur dans tout ça, énorme. Je cartographierai bientôt ma dernière dimension. Ok. Imaginez, Ratchet dans Little Big Planet. Ratchet dans ce match, confirmed. Confirmed. Confirmé de Ratchet dans Crash. Au secours. Je vais y faire un AVC. Oh la grosse bébête. C'est un boss ça? C'est juste une grosse bébête. Au secours! Elle s'est calmée ou pas? On bat les couilles. Ça va. Yozouille, il est pas mal ce jeu. Hein. J'avoue qu'il est un peu joli. Mais bon, tranquille quoi. Tranquille. Hein. Non, en vrai, il est ultra beau. Ça fait plaisir. Les exclus PS5, là, elles sont sympas quand même. En vrai. Il va falloir rouler. Là? Ouais. C'est tout? Ouais, c'est bon. Entre Returnal et ça, franchement, on est plutôt gâté. Tu vas me faire acheter cette console. Ah, mais tu l'avais pas, Azouille? Énorme, ça. Je pensais que tu jouais à Returnal, déjà. Mais pas du tout. Alors, écoutez, hein, je suis un influenceur. Hein. J'ai déjà fait acheter Returnal à Clubber, qui passe régulièrement aussi sur le chat. Donc voilà, hein. À deux doigts de faire acheter une PS5. Le problème, c'est pas d'acheter une PS5, c'est d'en trouver une en ce moment. Surtout quoi. Ça fout un peu la mort. À trouver ça. Mais ouais, Ratchet & Clank, j'ai toujours trouvé ça cool. Et je trouve ça trop bien que des gens s'y intéressent parce que c'est un peu un étendard graphique de la PS5 maintenant. Faut trouver une orbe. Je peux tirer dessus. Je suppose que la violence est parfois la meilleure solution. Je suis trop fort. Dix. Il nous parle de quelle dimension maintenant? Père Johnny là. Mais ouais, moi la PS5, j'en suis très content en tout cas, pour le coup. Elle crache un peu de temps en temps, mais ça va. Ok. Elle est marrante cette petite zone en monde ouverte là. Ça change un peu de d'habitude. On les Ratchet. Je sais pas s'il y en avait une dans le... C'est plutôt des zones fermées dans les Ratchet & Clank. Même dans celui de 2014, hein, je crois.
Je vais l'acheter sur un coup de tête en magasin, flemme de commander, attends 10 mois. Mais oui, je veux tout de suite. En vrai, en magasin, c'est dur, tu peux pas, faut en réserver une. Mais après, t'as pas à attendre 10 mois en vrai. Si t'arrives à en acheter une en ligne, genre elle arrive 2 jours après. Hein. Juste, faut être là au moment où ils les vendent, quoi. The fuck? What the fuck, les amis? C'est un prank! C'est bon. Je me suis fait prankhead. Dead. D.E.D. Mais directement en magasin, de toute façon, il y en a pas. Il y en a pas dans les rayons. Des Xbox ou des PS5, elles partent immédiatement. Donc dans les rayons, il y en a pas. Hein. Ça va être compliqué jusqu'à l'année prochaine, si jamais. Tu veux l'acheter sur un coup de tête en faisant tes courses à Carrefour. Il se passe quelque chose de grave, d'assez grave pour qu'on ait besoin de cacher un maximum de Lombax. Et je suppose que mon travail de cartographie avait pour but de trouver la dimension parfaite pour nous accueillir. Alors j'espère que j'ai pas raté mon coup. C'est un Lombax ? Ils sont cachés dans une dimension particulière ? C'est énorme ça, c'est du lore ? C'est bien dommage, ouais. Après, si t'en veux vraiment une, il y a des applis qui sont au taquet pour te dire à quel moment il y en a en vente sur tel site. Et du coup, tu reçois une notif instantanément. Donc si tu veux en acheter une, en vrai, quand tu veux vraiment en acheter une, genre tout de suite, c'est pas si compliqué en vrai. Juste, faut être un peu au taquet. Mais ça se fait. Je me rends compte que j'ai quand même eu pas mal de bugs de l'avoir day one. Hein. Après, je suis un gamer avec un arrobas à la place du A, donc voilà. Je t'explique. C'est marrant cette zone. R1 pour utiliser les overbats. Pourquoi je voudrais utiliser les overbats? À quel moment c'est légitime d'utiliser les overbats ici? À quel moment? Pas compris. À 800 euros, elle se trouve facilement. Ouais, chez les petits scalpers sinon. J'ai pas compris. J'ai l'impression d'être débile. Après, il y a des zones blanches, c'est peut-être là-dessus qu'il faut utiliser les overbots. Ah, je comprends pas. Pourquoi je suis dead, DED? D'accord. Je suis débile, voilà pourquoi je suis dead. C'est bon. Je me suis rappelé. Ouais, pièce d'armure. Oh, le casque. Le casque Starshield. C'est comme Starfield qui va sortir, mais en shield. Tu vois le casque? Quel skill, oh mec, tu sais, c'est des années d'entraînement. Oh, il est stylé! Je ressemble à un poisson-chat. Plus 5% d'XP gagné. Changer la couleur. En rose, je peux le mettre en rose? J'ai envie de le mettre en rose. Mais faut vraiment que je trouve les poches dimensionnelles parce que ça me donne de l'XP. Ah ah! Savali, ah, j'ai trouvé le robot de Savali, qu'est-ce qu'il dit? Savali abrite une poignée de moines qui résident dans les ruines d'un ancien avant-poste Lombax. On raconte qu'ils sont les descendants de pèlerins de la galaxie de Bogon, ayant choisi de consacrer leur vie à la connaissance dimensionnelle et au yoga détox.
plutôt qu'à la musculation et à la chasse aux primes comme leurs congénères. Les Lombax ayant disparu de longue date, ils sont également les gardiens de leurs secrets les plus précieux, y compris leur connaissance avancée de la dimensionnalité. C'est le leur. Et une succulente recette de houmous aux graines de lin. Oh, du houmous. Un petit houmous là. Le jeu il me trigger parce qu'il me dit que j'ai des trucs. Un objet à collectionner alors que j'ai plus rien. Le jeu il dégoûte. On n'a pas le retour des didacticiels. Ouais, c'est pas grave. Vas-y, je lui laisse le casque. Le casque du swag. Il est rose, hein. On voit pas, il n'y a pas de lumière. Reviens à la lumière. Il est bien rose, hein. Non, il est bleu. Il a pas validé la couleur. Armure. C'est quoi ce jeu, là? La couleur. Rose, blanc, comme ça. Voilà. Voilà. Là, voilà. Là, on se respecte. Là, je suis un Lombax qui me respecte. Là, je suis respecté dans toute la galaxie. Clank voyage-t-il sur ton dos d'habitude? Ça lui arrive. Comment tu trouves ça, toi? C'est un peu... chaoteux. D'où tu me dis que mon dos est chaoteux? Oh, il est là. Vu. C'est vu. Donne le boulon. 9 sur 25. L'avancée dans le jeu, là, est phénoménale. Là, c'est bientôt fini. Musique pack 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Yes. Pas probable, hein, pouvoir aller en bas. Qu'est-ce qu'il y a en bas? À part des ennemis qui veulent me grignoter les fesses. Pas grand-chose. Ça va, vous? Y a pas grand chose, hein. Ouais, on va aller explorer là-bas. Donc là-bas, il y a la faille d'où je viens. Attendez, mais il est où le temple où je dois aller? Ah, mais il est là-haut, là-haut. Ah oui, c'est vraiment là où je dois aller. Je vais remonter là-haut, du coup. Quel enfer. Au secours. Jamais douté. Vous avez douté, vous? Vous avez douté, vous êtes des menteurs. C'est là d'où je viens. J'ai checké un peu par là, j'ai pas trop visité. Je cherche une faille ou un boulon. Là-bas, c'est là où il y a le temple. De tes recherches, tu as déjà lu quoi que ce soit au sujet de ce qui est en train de se passer? Les oncles de Gary s'amusaient à se faire des plaisanteries d'une dimension à l'autre. Mais ça, c'est complètement différent. Il va falloir aller au temple. Hein. J'ai l'impression que j'ai pas mal fait le tour de la zone. On va aller au temple. On verra ce qu'il y a. On va aller au dernier temple. On verra la zone plus tard. Il y a peut-être des trucs un peu par là. Hein. Ouais. Ah. Vous voyez? Pas la même? Non, c'est pas la même, c'est bon. J'ai eu un doute comme il y a les panneaux muraux.
Ah, un pur jeu. J'ai passé trop de temps enfermé dans les archives. Je n'avais pas conscience que le tissu dimensionnel était aussi abîmé. C'est dingue tout ça, mais une fois qu'on aura les plans du dimensionnateur, tout reviendra à la normale. Parfait. First try. Regardez-moi ça. Dis-moi que c'est encore une combi rose que je peux mettre. Je crois que c'est tout ce qu'il y avait à trouver. Le prétorien Lombax. Non mais c'est totalement des armures différentes en fait. Plus 5% de boulons gagnés. Quoi les bottes que j'ai d'équiper déjà? Ah non si c'est bon. C'est... Quoi les celles que j'ai gagnées, le prétorien Lombax? 5% de raritanium. Attendez mais 5% c'est de la merde. Parce que je les gagne un par un. 5% de 1 ça fait que dalle. De toute façon, je crois qu'il n'y a pas besoin d'équiper les trucs pour les... Et voilà, bonus de collection, c'est ok. En fait, il n'y a juste pas besoin de les équiper. Je garde juste le casque pour le swag. Et les bonus, eux, sont permanents. D'ailleurs, j'ai combien de pièces d'armure encore qu'il me reste à récupérer? 2, non. 2 pièces d'armure et un boulon. Check Russe. Ah mais j'étais à côté tout à l'heure en fait. Juste je suis débilos. Débilos, y'a pas de soucis. Ah. Le temple de la forêt primaire. Oh. L'empereur ne respecte rien ni personne. On va lui apprendre le respect. Ok, c'est le moment de faire parler le skill. Regardez bien. Faire monter cette arme niveau 3. Au secours. Oh loup Jean-Michel. Avec son laser de mort. Colosse de Nefarius quoi. Il est où? Quel enfer. Il se passe des choses que j'ai pas envie qu'il se passe. C'est toi? C'est toi. Le l'arroseur automatique passe niveau 4. Ok, dispersion passe niveau 4 aussi. Bon, il me reste quoi en arme niveau 3 là? Qu'on en finisse. Ricochet. Niveau 2 même. On balance un petit coup d'arroseur torpillère là. Ricochet. Elle est vraiment trop forte cette arme. Allez, salut. Tout est niveau 4, sinon paratonnerre. Hein. Quelle vie de fou. Bon, même en mode plus dur, si on a un peu l'habitude des jeux vidéo. Le jeu est pas si dur que ça quoi. Les défis étaient un peu chiants de l'arène là. On aurait pu le rendre plus facile en le faisant plus tard encore. Première arme à passer niveau 5, ça va être ça. En vrai on va faire passer le pistolet rafale niveau 5. Après on aura une arme niveau 5. Let's go, on la joue jamais en plus, profitons-en. Ah il y a le destructeur aussi, l'exécuteur. Je dois utiliser ce terminal pour libérer mes frères. Mais pas de soucis, on va le trouver le terminal. Donc, ok, toi. Ah mais c'est fini. Ok. Terminal, let's go. Ce système est très vieux et complexe. Je vais avoir besoin de temps pour désactiver le champ énergétique. Oh non. Prends tout ton temps. Je m'occupe de ces types. Santé de KT. Oh c'est un truc de... Oh ça va être chiant. Je me dépêche.
Ces soldats arrivent par l'entrée principale. Au square. C'est parti pour les trucs chiants. Au secours. Je me fais vraiment éclater. Arrête! Putain, mais il prend trop cher sur toi à chaque fois. Arrêtez! Bande de voyous. C'est de la bombe, c'est bon. Notre arme est passée level 5. Elle est juste trop forte maintenant. Je me fais éclater. Pourquoi? Parce que je suis nul à chier. Let's go! Est-ce que tout va bien? Cette cartouche, hein eh bien... 75 de vie. Let's go! La moitié, bon, ça va. J'y suis presque. Non, super, même si c'est un peu trop facile. Pourvu que ça reste facile. Ça va, tout va bien. Oh, il en arrive encore. C'est fini ? Pas fini. Il me faut des munitions, merci. Des munitions. Pourquoi je l'ai balancé là-bas alors que tous les ennemis sont pas là? C'est un vrai vaisseau? Au secours! Un enfer? Lui il meurt pas là aussi, c'est pareil. J'aurais dû le voir venir. Ça va être chiant, en vrai. Ça sert à rien. Problème résolu. Ah, 75% de dégâts, c'est ok. Le champ énergétique est désactivé. Allez, donnez-moi les boulons, là. Les boulons ! Je suis soulagé de vous voir en bonne santé, mais nous avons besoin d'aide pour atteindre les archives. Ah, je vois. Retrouvons-nous au village, dans ce cas. Tout le monde vous donnera un coup de main. Non ! Je veux explorer ! Vous avez réussi ! Oh, merci à tous les deux d'avoir libéré mes frères. Gary, nous avons besoin d'aide pour accéder aux archives. C'est des urgent. Pas de problème. Mes frères, on a une urgence dimensionnelle à régler. Ah. Pour pénétrer dans les archives, il faut être prêt à faire le grand saut, Ratchet. Je te conseille de prendre de l'élan. Ah, pas de soucis, mais j'ai pas envie d'y aller là tout de suite. On va bien aller là. Salut. D'explorer, on est aux archives après, on a le temps, c'est bon là, oh. Les gens ils nous pressent. Oh, qu'on retourne aux archives. Par là-bas. Au secours, j'ai failli tomber dans un trou. Exceptionnel. C'est là-haut. Les gens ils me laissent pas explorer, ça dégoûte. J'aurais juré qu'il y aurait eu un truc là. La réponse apparemment est non. Un peu vague. Champion.
Et du coup, il y a encore tous les boulons que j'ai pas ramassés de la dernière fois. Ah non, il y a plus. Je me suis vraiment fait ken jusqu'au bout, quoi. Rembourser. Demander un remboursement du jeu. À Sony. Directement. Je vais être remboursé. Ok. Bien, d'enregistrement 1 heure pile. Parfait. Je vais nettoyer un peu la zone et puis on ira dans la prochaine vidéo des archives, ok, non ? On va voir. Là, j'ai pas trop exploré. Hein. Dommage qu'on puisse pas afficher la map dans un coin de l'écran quelque part. Ça dégote un peu, quoi. Pas trop de gens, là. Y'a toujours trop de gens. Y'a trop de gens qui t'aiment. Mais tu ne le vois pas. Sortirai pas indemne. D'amour avec toi. Y'a trop de gens qui t'aiment. Oh, vu. Et je suis au max là en fait. Le jeu il me prend pour un teubé alors que je suis au max. J'aime bien ce morceau, la groupie du pianiste. Toi aussi, t'es assez fan? Moi, c'est le rot morceau de Ragosa Dintei que j'aime beaucoup. Je le trouve assez cool. Oh, le Mecha Pirate, le plastron de Mecha Pirate, il est trop stylé. Oh, let's go! Je ressemble à rien, regardez. C'est quoi le plastron? Dégâts des pirates, très vite. En vrai, j'aime bien le laisser en lambda. Il a une bonne gueule, Ratchet. C'est juste pour voir toutes ses animations. J'ai pas testé le mode photo du jeu, vous croyez qu'il est cool? Un peu à l'ombre, attendez. Je veux le tester pendant un saut, mais je veux que le saut soit un peu au soleil, quoi. Par part là. En plus, je vais avoir le truc de là derrière, ça va être peine. Oh, le mode photo en 30 fps. Ah. Ah, le jeu est joli, hein. La meilleure photo que je puisse prendre. Ça, c'est moi. Moi au réveil. Hop là. Comme ça. Quoi, toutes les options du vie là du coup? Edouard, inclinaison, ok. Et orbite, c'est autour du perso. Visibilité du héros, oui, non. Visibilité boulon. Effet visuel. Oh, on peut faire un fou. Oh, le jeu qui continue. Ok, ça c'est le champ de vision. Ah, d'accord, ok. Bon, normal, mise au point. Pas rien. C'est énorme. Ta-ta-ta-ta-la, type de filtre.
Et un filtre film français. Fait-il ça? Dégueulasse. Putain, mais il y a combien de filtres? Ok. Carré. Activer la pause. Mais je suis en l'air, du coup, je peux pas. Annuler. Triangle. Pas la meilleure photo en vrai. Merde! J'avais trouvé le truc du pont et j'ai raté. Attendez. Reviens. Ouais, la dernière bobole. 12 hôtels sur 12. Retournez voir le moine érudit. C'est quoi ces stèles? C'est l'objectif secondaire de la zone, c'est de trouver toutes ces stèles là. En fait, c'est des stèles de Lombax. J'aurais écrit quelqu'un en fait. Et du coup, ça donne du lore sur les Lombax, ces entrées. Ceci sera mon dernier enregistrement. Comme celle-là. Il y en a 12 à trouver. Vous êtes en train de m'écouter, c'est que vous n'avez malheureusement pas pu atteindre la nouvelle dimension avec le reste d'entre nous. Apparemment, c'est un Lombax qui les a écrits. On essaie de réunir. Notre espèce est disséminée dans tout un tas de dimensions. C'est... Ceci n'est pas un... Et du coup, c'est l'objectif secondaire de la zone en cours. Hein. Notre... Je débloque des pièces d'armure si tu les fais toutes. J'aurais aussi voulu vous laisser un dimensionnateur. Mais bon, je peux malheureusement pas tout faire. J'espère que vous réussirez à nous retrouver. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me rendre visite. Je m'appelle Lore. Et j'aimerais beaucoup connaître votre histoire. Max. Donc Max, qui a l'air d'être un autre Lombax, qui voyage entre les dimensions. On n'en saura pas plus pour le moment. Mais on va récupérer notre récompense de quête, par contre, c'est sûr. Je n'arrive pas à y croire. Grâce à toi, l'histoire des Lombax perdurera des générations entières. Mes frères et moi, te remercions. C'était un honneur, mon frère. La dernière pièce d'armure? Tenue du désert. Le casque. Donne-moi la tenue du désert. Ça ressemble à quoi? Oh, j'ai la tenue du désert complète. Ça peut être en Mad Max total. Marrant. Il me reste que un boulon à trouver, je sais pas où il est encore, on le cherchera probablement à la prochaine VOD, mais en attendant, on va déjà aller faire l'archive. Et bisous YouTube, on se retrouve pour l'archive de la prochaine VOD. Prends soin de toi et pense à t'hydrater, on est en été, il fait chaud. Adieu. Sera...